Bonjour à tous et bienvenue sur Gesso Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour Island Tribal 5. Alors donc là j'ai mis mon pseudo, donc Gesso. Et on est parti. Alors dur, normal, facile, relax, on va aller en mode normal, hein. Pas aller plus loin. Par une chose, journée d'été, une mystérieuse bouteille contenant un message émerge à des profondeurs de la mer. Attention. Par chance, la bouteille fut trouvée par nos héros sur la côte de leur île. Quand les héros sortirent la lettre, il s'avéra qu'elle venait d'un vieil ami, un explorateur, et il écrivait qu'il avait décidé de partir à la recherche d'aventures. Sous l'océan, il trouva un objet fantastique pour lequel il dut payer le prix fort. Il est à présent retenu en otage par les Atlandes, qui le ramènent dans leur pays. L'explorateur appelle les héros à l'aide. Il laissera des objets derrière lui pour leur permettre de le retrouver. Les héros, après un moment de réflexion, décident de partir aider leur ami au fond de l'océan. Donc, enchaînez les actions pour plus d'efficacité, cliquez sur plusieurs tâches et vous ouvriez les sélections l'une après l'autre. Et là, il faut réparer deux totems et réparer la sirène. Ça, c'est mal écrit, hein. Je peux pas dire, hein. Ça n'a rien à voir avec mon écran, hein. C'est vraiment mal écrit. Alors, le camp est là, ok. Donc là, si on fait que ça donne de bois. Vous pouvez voir ici, les ressources sont toujours disponibles. Okay. Cette scierie est endommagée. Collectez assez de bois et vous et envoyez vos employés la réparer. Ok. Alors là, donc ça donne besoin de plus 2. D'accord, on peut mettre plusieurs choses en même temps. Mais il faut toujours qu'il aille au camp quand même avant. Hein. Ça, c'est pas possible autrement. Le totem magique a été détruit, mais s'il est réparé, il chassera le ténèbre. Voilà, attention. Bah vas-y, va réparer mon gars. Y'a pas de soucis. Y'a pas de problème. Voici les tâches que vous devez réaliser pour terminer le niveau. L'ordre de réalisation importe peu. Ok. C'est un morceau de rune que nous recherchons ici pour le ramasser. Ok. Cet objet fait partie des affaires laissées par l'explorateur qui paye tous les éléments pour reconstruire le chemin qu'ont emprunté les Atlantes en l'emmenant. Bah, dis-donc, tout ça pour ça? Dommage. C'est bon, je fais bien. Alors, ensuite, alors quand même, le mec, il a qu'un tuba et tout, dans les profondeurs, hein. Là, il n'y a pas de souci. Ah, il faut du temps, quand même, mine de rien. Ah non, ça donne 4 bois à chaque fois, d'accord, autant pour moi. Bon, bah oui, il y a quoi à faire, en fait. Faut juste aller, jusqu'à là, en fait. Bon. Ok. Pour le magique côté sa ressource. Et envoyer aux amis. Ok. Je peux pas aller réparer mon gars. Oh, il y a un diamant. Attention, je ne rigole plus. Un autre diamant. Quel beau diamant. Il y a beaucoup d'autres diamants répartis dans les niveaux. Alors, essayez d'en trouver autant que possible. Eh ben oui, on va essayer. Bon, ben voilà, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal, on s'est bien débrouillé. Niveau terminé. C'est chouette. Ensuite. Ok, ok. Super, j'ai eu plein de niveaux, plein de diamants, plein de... Parfait. Alors, chasser 4 lamantins et construire une structure d'algues. Non, mais ils ont eu un problème de graphique en faisant le jeu, c'est pas possible. Oula! On voit pas très clair dans ce pays de fou. Hop, hop, allez, on répare, on répare. Hop, on répare pas, mais on... Allez. Le lamantin, il faut qu'il ait des algues. Donc là, on a une algue, on va en faire 2. Alors, on va prendre les 3 algues. Allez, on va améliorer la série. Alors, du coup, lamantin, on va avoir assez. Voilà, bouge! Ensuite, tac, on va prendre ça. Ah, des diamants! On est riche!
Elle avance pas assez vite quand même, la petite fille, hein, quand même, hein. T'es obligée d'avancer un peu comme la vidéo, parce que là, c'est un peu lent, son truc, hein. Allez, ma fille, on se dépêche. Est-ce que vous voyez le dernier morceau? Moi, je le vois pas encore. Peut-être qu'il est caché. Moi, je sais que personnellement, je le vois pas. J'ai même petit lacet. Le petit morceau. De toute façon, on peut réparer ça. Récupérer le bois. Récupérer les algues. Ils sont là. Alors, tac. Elle fait pas les 35 heures, moi je vous le dis. Hein. Faut chasser trois lamantins en plus. Eh ben, tu vas le chasser celui-là en même temps. Hein. Du coup, c'est très mignon comme... Pas comme... C'est pas méchant, il paraît, comme animaux, en fait, comme animal. Enfin, des animaux, des lamantins, c'est pas méchant. En fait. Chasser la grosse pieuvre et construire une ferme perlière. Ah là, ce qu'il a, j'ouvre les yeux, mon pauvre ami, hein. Une pieuvre géante nous bloque le passage. Nous lui donnons plusieurs perles noires. Elle ira peut-être les cacher dans sa tanière. Donc, du coup, elle libérera le passage. Voilà. Donc, du coup, elle nous fera, entre guillemets, elle nous embêtera pas. Voilà, on va dire clairement, elle nous embêtera pas. Allez, encore les fameux lamentins. Oh bah et on c'est plus des pieuvres là qu'on a c'est hein. Maintenant vous avez assez de bois pour améliorer le bâtiment pour se faire cliquer sur une étoile. Et on va améliorer le bâtiment. Là je me suis dit voilà j'ai vu la petite pieuvre et tout, je me suis dit ouais c'est bon tranquille et tout, tu vois la grosse machine, ça se trouve là on va voir encore une plus grosse. Aïe. Alors, le lamantin on peut toujours pas le nourrir, forcément. Du coup, on va récupérer les algues qui vont nous servir à nourrir le lamantin pour qu'on puisse passer en haut. On va récupérer le bois aussi. On sait jamais, ça peut toujours nous servir. Et là, il faut. Ah voilà, il faut 7 bois. Donc, du coup, là, on est bon parce qu'on vient de récupérer le bois, justement. Sinon, on aurait dans le cul, hein, clairement. Hein, construit. Mais il y a encore des pieuvres partout, non mais sérieux quoi. C'est quoi ce bordel? Alors on va déjà chasser le lamantin qui est là. Voilà. Et quand on améliore le camp, ça donne des ouvriers en plus. Ça va nous faire avancer un petit peu plus vite déjà. Hop. On ramasse tout, on est des fous. On ramasse tout. Et du coup, elle s'est barrée dans la tanière. Voilà. C'est dommage quand même que ce qu'on récupère là dans les bleus bois ou autres, on les prend pas pour le niveau d'après. Ok. Allez, c'est parti. Collectez 4 pierres noires et construisez une vague de crabes. Élevage de crabes, ça va être ça. Un élevage de crabes. Ah, faut réfléchir, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas fait fort sur ce jeu-là. Donc au moins, vous savez que si vous voulez jouer à ce jeu-là plus tard, et ben, il y a un petit problème d'écriture quand même. Hein. Pas donner le meilleur d'eux-mêmes, comme on dit. Hein. Voilà, en fait, à défaut d'attendre comme des cons, mais voilà, on peut faire ça. Et là, j'en vois pas d'autres, personnellement. Je vois pas d'autres. Si, là! Eh, hey, vous les croyez que j'ai pas vu, hein? Bah, c'était pour le suspense. Le suspense, comme on dit. La suspense. Voilà. Là, on va améliorer le camp. Voilà. Le camp est à... On va améliorer le camp. Parce que j'en ai un peu le bol d'en avoir qu'une. Une petite fille qui avance à rien. Voilà, comme ça, le gars, il prend la relève. Voilà, ça, c'est une travail d'équipe. C'est pas mal. Ça me plaît. Hop. Allez, voilà, ça avance un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus rapide. Nécessaire 3 crabes. D'accord.
Là j'ai deux pierres. Ah, faut que j'aille livrer de temps en temps. Ouais, tu savais pas qu'il fallait livrer de temps en temps. Bon, c'est grave. Bah, il fait méchant. C'est affreux. Ça avance bien, on va pas faire ça, avance bien. Hop, là, hop. Collecter après trois pierres. Bon, on va améliorer hein, pour que ça arrive plus vite. Hop. Allez, allez, on se dépêche. Et là, on a l'attente de crabes, désespérément. On attend les crabes. Allez, va. Là, toi, il faut combien? Trois crabes. Là, forcément, ça. Je savais même pas que les piranhas mangeaient les crabes. C'est instructif en même temps. Hein. C'est comme les poules qui savent voler. Enfin, moi, je fais pas mal de gameplay en fait où que tu apprends des choses. C'est-à-dire que tu te couches moins con le soir après mon gameplay. C'est pas mal ça. Problème. Alors, du coup, on prend les deux paires de noix. Il faut quelqu'un qui aille livrer là-bas. Clairement. Alors ensuite, chasser, le chasseur sachant chasser, donc chasser quatre gros poissons. Bon, les Français, nous devons pénétrer dans l'épave, mais le sable a recouvert l'entrée. Nous avons besoin de l'aide d'un gros poisson. Vous connaissez les gros poissons, ou pas? Moi non plus. Donc, on va essayer de chercher ça, des gros poissons. Ah bah c'est cool, j'ai amélioré le compte à l'heure et puis ça reste. Ah bah c'est génial. Ça c'est chouette. Ça c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est pas beau franchement, vous avez vu comment que ça avance? Ah moi je trouve ça magnifique. Ah ça c'est une affaire qui marche. Ça c'est une affaire qui me plaît. Voilà. Un beau petit chantier. Ça c'est bien. Mais comment je suis censé croiser? J'ai du mal avec ce mot-là, hein. Je vais pas dire mais... Comment je suis censé chasser des poissons? C'est un peu la question que je me pose. C'est pas grave, on va trouver, hein, c'est pas un souci. Une ferme fermière. Oui, mais c'est un élevage de crabes. Ça prend trois perles. Donc pour avoir les perles, il faut forcément construire en priorité la ferme fermière. Donc déjà, faut récupérer ça, faut récupérer ça. C'est pas un travail de tourpeau, moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis. Alors, ensuite, du coup, totem, on peut le refaire. Ce totem-là également. Ah non. Hop. Hop. Du coup, bah, 7, toujours pas 7. Du coup, chasser trois gros poissons. Comme à mon avis, il faut chasser les trois, hein, vraiment. Sachant que il leur faut des crabes. Hein. Et là, il faut, ouais, donc, ça faut l'améliorer, c'est un petit peu plus vite. On va prendre un peu de machin. On va prendre un peu de crabe. Du coup, les perles, eh bien, j'en ai assez pour gérer. C'est combien de perles que tu prends déjà, toi? Je sais plus. Trois. Ok. Donc, du coup, on peut gérer lui. Et on peut gérer lui. Voilà. Bon, il me reste toujours mon bordel de morceaux, hein. Alors, moi, je vais regarder vite fait, là. Et
Vous avez vu un petit peu comment ils sont rapaces? Ils mettent ça, un truc violet, bien dans le violet de la fleur et tout. Ah, c'est abusé, sérieux. Je trouve ça trop abusé, quoi. Franchement, c'est... Non, ça se fait pas. Je suis pas d'accord, ça se fait pas. Du coup, nous, c'est bon. Et on va pouvoir faire ça. On peut aller aux autres. Et non, il faut des crabes. Des crabes, des crabes, des crabes. Et comment je suis censé avoir des crabes? Parce que là, ça va pas mal. C'est énorme, mon chou. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Bon, allez, on va arrêter là, hein. C'était un petit gameplay tranquillou, bilou. Et puis, bah, voilà. Donc, bah, je vais vous laisser. Puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu ou un nouveau gameplay sur Just Gaming. Allez, bonne journée à tous, les gamers!